Bonjour Paul, bonjour Antoine. Alors, c'est qui Paul, c'est qui Antoine? Alors, lui c'est Antoine, et Paul c'est moi. Bonjour, alors merci de venir dans notre paroisse. Comment ça se fait que vous avez eu l'idée de venir dans la paroisse? Qu'est-ce qui s'est passé hein? Alors, on n'a pas eu l'idée de venir dans cette paroisse, on y était envoyé avec la mission Isidore, qui est une association qui depuis 2 ans déjà envoie des jeunes pour l'évangélisation et le service des paroisses dans le milieu rural. D'accord. Donc ça fait 2 ans que ça existe et nous avons choisi de nous engager. Nous ne nous sommes pas choisis, nous n'avons pas choisi la paroisse, mais nous sommes très heureux de ce que nous allons vivre pendant 6 mois. Ici. Et nous aussi, on ne vous a pas choisi. Hein. Du coup, on a eu un peu deux manières assez différentes d'arriver à cette mission Isidore. Ouais. On a des parcours un peu différents, mais ça fait une grande joie d'être ici et de pouvoir se mettre au service de la paroisse pendant les 6 prochains mois. On est là pour 6 mois. Donc 6 mois, d'accord. 6 mois donné de votre temps gratuitement, c'est extraordinaire. Enfin, bravo. Hein. C'est vraiment un beau cadeau pour nous. Et vous avez des idées est-ce que vous aviez eu des idées en arrivant, en se disant bah, « Tiens, je vais faire tel ou tel truc » ou voilà, ou vous êtes encore, je sais pas. Pour l'instant, on est pas mal dans une phase d'observation. On va commencer par venir à la rencontre de chacun des paroissiens, de tout ce qui se fait déjà ici, à la fois dans la paroisse ou même dans les villages qui forment cette paroisse. En tout cas, moi, je sais pas, Paul, tu pourras peut-être dire différemment, mais j'ai pas des idées particulières de choses à faire. On est déjà dans des premiers jours, semaines, où on va tout simplement apprendre à vivre avec vous et ensuite on pourra mettre tout, faire du mieux qu'on peut pour aider la paroisse. D'accord, c'est super. Bon, on arrive avec ce qu'on est, avec notre histoire, les engagements qu'on a eu dans nos paroisses, les expériences qu'on a eues. On a peut-être des tas d'idées, mais en même temps, quand on arrive, on découvre que quelque part tout est déjà là et qu'on est là pour rendre service et aider à faire fructifier ce qui existe. Et voilà. Puis éventuellement proposer des choses, mais ça c'est toujours dans un deuxième temps. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, comment, parce qu'on se dit, mais vous arrivez comme ça, mais vous ne vivez pas d'amour et d'eau fraîche, enfin, sûrement de l'amour du bon Dieu, mais comment se finance un petit peu ces missions? Alors il y a deux aspects, il y a une partie qui est financée par nos amis, par l'association, donc ça c'est tout ce qui va être notre vie quotidienne, nous nourrir, les dépenses qu'on peut avoir au quotidien, voilà, si on a besoin, je ne sais pas de quel matériel pour notre vie quotidienne, donc ça c'est, on a envoyé des lettres de parrainage, parrainage dans notre entourage, et donc c'est nos amis qui chacun à leur mesure nous donnent quelques euros par mois qui font mis bout à bout qu'on arrive à vivre simplement, mais tout à fait correctement. D'accord. Puis par ailleurs, pour la deuxième partie, nous sommes logés chez une paroissienne, dans une belle maison, et donc nous sommes très heureux. Et la paroisse donc prend en charge nos frais de déplacement, notamment. D'accord. Puisque nous allons nous déplacer en voiture, je crois qu'ici le métro ne passe pas encore. du coup, donc, voilà, c'est la paroisse qui finance les frais. D'accord. Du coup, chers paroissiens, hein, je vous invite à nous aider à financer cette mission parce que voilà, pour l'instant, on a eu déjà un petit don, mais voilà, ça serait merveilleux si vous pouviez nous aider à continuer à financer cette mission Isidore dans notre paroisse. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Enfin, on fera peut-être d'autres vidéos, hein, voilà. Ben voilà, nous sommes, on vous le redit, ravis d'arriver, d'enfin découvrir cette paroisse, parce qu'on a appris qu'on venait ici il y a seulement 2-3 semaines. Ouais. Et donc, on est ravis à la fois nous découvrir nous et vous découvrir. Merci beaucoup. Une grande joie. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne.